Donne-nous aujourd'hui une semaine à l'honneur du pauvre. L'idée est de porter assistance aux personnes en difficulté. Et la communauté catholique, la pierre vivante et de la louange en fait son credo. Face à la misère que traversent nos frères, que vivent nos frères, face à cette misère qui déshumanise l'être humain, qui dégrade vraiment l'homme créé à la ressemblance de Dieu, nous ne pouvons pas rester insensibles. Voilà pourquoi nous avons répondu à cet appel, déjà par notre vie communautaire, en aidant les pauvres au quotidien, qu'à la fin de toutes choses, nous serons jugés sur l'amour. Comment aimer son prochain sans être sensible à ce qu'il vit, sans porter un regard vers ce pauvre, ceux qui nous entourent tous les jours. Que Dieu ait inspiré à cette communauté d'organiser une semaine pour le pauvre, ça, je crois que c'est un grand événement que nous ne pouvions pas laisser passer. Une messe rythmée de louanges et d'adoration pour planter le décor, mais aussi des dons de kits de vivre et de non-vivre. Ensuite, des visites aux malades des CHU de Cocody et de Trècheville, des activités et bien d'autres au cours de cette semaine dédiée aux pauvres, débutée le 5 avril et qui prendra fin le 13 du même mois.